En gros, avec Tificar, on s'est dit qu'on allait faire du housing. C'est du parcours. Voilà, je fais une petite voix off, parce que j'en aurais besoin. Au pire, je la retournerai. Non, non, par là. Ah, il est là, je vois. Ah, concentration. Bon, je vois que je réussirai. Non mais en fait, c'est ma barre espace, elle fait grève parce que j'ai pas augmenté son salaire. Ouais, je vois, tout de suite il y a une barre espace déjà. Ah, je ne pas la payer. Mais non. Je pense que je vais faire une compilation. C'est pas possible. Comment on peut être... Mais non, mais putain, mais ça glisse. Mais je suis bloqué au niveau 3,5. C'est vraiment juste le niveau 4. Mais... J'en ai marre. Yeah, yeah. Non, là, voilà. Oui, et là, oui, oh, bravo. Ah oui, si. Là. Bravo. Oh, 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 oh. Bravo, t'as pris un bon rythme. Ouais. T'as fait ça. Yep. Oh, j'ai ouvert le chat. Oh, attends, je vais mettre ça dans le chat quand même, c'est... I've... you... I speak English. À l'attaque. Mais franchement, qui se loupe? Ouais, toi. Je vais dire qu'il se loupe à un niveau. Je vais dire qu'il se loupe à un niveau pareil. Attends, 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 on va y arriver, c'est quoi? Mais merde, mais je tombe à l'échelle. Mais juste, tu montes l'échelle. Voilà, là, tu sautes. Voilà. Non, non, sans glisser au bout. Oh, la barre espace, elle va déguster, hein. Non. Nice. Le meilleur saut d'Europe. Non plus. Bon, alors bonjour à tous, je fais de l'ASMR. Mais les gens qui font de l'ASMR sur des jeux vidéo, en général, ils y arrivent. Alors bonjour à tous. Oh. Oui. C'est de l'ASMR. Regardez-moi, c'est... Qu'est-ce que t'aimes, c'est ASMR? Mais... Je suis coincé. Bah, de l'autre côté, quoi. Retourne-toi. Voilà. Putain, t'es un génie. J'aimerais vraiment que t'enregistres ton point de vue. Ce serait incroyable. J'ai besoin de ça. Quoique, start recording, voilà. Avec le replay mode, j'aurai ton point de vue. Ah oui, d'accord. Mais putain! Mais bah, retourne-toi! Mais laissez-moi! De l'autre côté! Allez, cette fois. Oh! Incroyable. Oh! Là, là, voilà. Allez. Ouais, grave. Oh, ça c'est... Ça c'est un niveau fourbe, tu vois. C'est le genre de niveau, t'en sens pas vivant. Ouais, grave. Je t'ai vu tomber. Mais enfin. Voilà. Non, non, mais je ris pas par rapport à ton niveau, mais... Viens, viens, viens. Viens à mes pieds. Viens, approche-toi encore. Retourne-toi. Il a marqué ça là, l'enculé. Bon, ben... Il est pas bougé de faire ça. Il trouve ça drôle. Oh non, il y a Alex Burr. Il y a Alex Burr. Ouais, sauf qu'il a une couronne. Mais j'ai vu, ouais. Il ressemble à Alex, mais lui, il a une couronne. Donc, contrairement à Alex, il ne fait sans doute pas partie de la gueuserie. Alex, si tu vois cette vidéo, sache que mon prof d'histoire géo a parlé de la Burgondie. Ton Burgondie... Alors, autrefois, ça devait être en Burgondie, mais étant donné qu'il reste que Alex Burr comme Burgonde, je suis pas sûr que... Ils ont émigré. Il en reste qu'un, donc bon,
On va arrêter de nommer son jardin la Burgondie. Bah après, le prof du Zangio a voulu qu'on l'amène pour le disséquer. Alex, tu sais où venir. On va vérifier si t'es vraiment en Burgonde. Ensuite, tu sautes comme ça. Attends, mec, y a quelqu'un qui m'appelle parce que moi je suis une personnalité éminente du gouvernement. Ouais, je vois, ouais. Il a donc le crâne vide. Difficar a un crâne vide. Et apparemment, un corps aussi. Il ne possède donc ni intestin, ni poumon, ni cage thoracique, ni aucun système digestif, respiratoire, ou permettant de transmettre le sang. Il n'a d'ailleurs pas de sang. Si nous allons dans son bras, nous pouvons voir qu'il est vide, sans aucun muscle. Le Tificar est un animal vide. Son skin de l'intérieur est particulièrement moche. Il ressemble particulièrement à sa façon de penser. C'est parfaitement lui. Quel beau visage, intelligent, serein. D'ailleurs, nous pourrons voir ici son épaule, encastrée dans son menton. Une pose qui ne doit pas être très agréable. Mais toutefois, son épaule encastrée dans son menton et l'intérieur de sa tête est absolument horrible. T'as été déconné. À une seconde près, tu viens d'être déco parce que t'étais AFK. Je me suis déconnecté. Ah, ok. Je me suis trompé de bouton entre rejoindre et disconnect. Ok. Alors, j'ai fait une analyse de l'intérieur de ton corps. Et ben, sache que tu n'as ni intestin, ni cage thoracique, ni rien à l'intérieur de ton corps. Tu es une boîte vide. Il m'a fallu 1 seconde 5 pour faire le même constat sur toi. Oui, mais moi j'ai fait un inventaire détaillé de ton corps, de tes bras, de ta musculature, de ton skin. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur le beat, t'avais rien à part des caches sains. Un peu étonnant. Alors, il faut savoir que comme tu le sais, ce skin est né du hasard. Oui, ça j'ai bien compris. Hein. Il y a le hasard qui ken ta créativité, ça a donné ce skin. Donc bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Anecdote. Une fois, un pote. Une fois en anglais, on devait faire un exposé sur des animaux canadiens. Ouais. Donc moi et un autre pote d'ailleurs, Dragon Obscur, sachez dans la description. Non, elle sera pas en description. Au pire, dans le i au-dessus à droite, mais en description, c'est mort. Je me rends compte qu'il va voir cette vidéo, il va être en mode mais pourquoi. Et oui, j'ai fait un truc avec Dragon Obscur, enfin c'était moi qui avais tout fait quoi. Ouais, normal, quand tu fais un travail avec lui, c'est forcément ça. Et donc. Donc j'avais tout fait, je m'étais pété les couilles, j'avais passé 3 heures sur PowerPoint à faire un diapo. Ouais. Et de l'autre côté, ce pote, j'ai mis plein d'anecdotes et tout, des noms scientifiques, des délires comme ça. Ouais. De l'autre côté, ce pote se ramène avec une feuille A4 sur laquelle il avait imprimé une photo d'une loutre. Chiffonné. C'est même pas canadien une loutre. Il la colle au tableau. Il la colle au tableau. Il a 19 parce que la prof trouve la loutre trop mignonne. Tu te fous de ma gueule? Attends, mais vous étiez en équipe? Je comprends pas. Non, il était tout seul, il a essayé de faire son exposé. Ah oui, il a posé sa pauvre affiche de loutre là, pixelisée, qu'il avait imprimé la veille. Il a eu 19 ou 18, je sais plus. Mais attends, mais d'où vous faites ça avec des affiches? C'est évident que c'est un diapo. Ah non. Ou au moins une image. Genre, il va sur l'ordi de la prof et il tape image loutre kawaii. Je sais pas, peu importe. Mais... Non, il avait fait ça avec une affiche, enfin, c'était une feuille A4 sur laquelle il l'avait imprimé. Mais en plus, c'est ça, c'est que si tu veux faire une affiche, tu fais pas une feuille A4. J'arrive pas à comprendre votre classe, là. Oh. Je sais qu'on vous appelle les SECPA, mais quand même. C'était l'année dernière. Ah, bon, on vous appelait déjà les SECPA, mais... Ah, c'est une girafe.
C'est totalement une girafe. Bah, disons qu'on dirait un membre de votre classe, quoi. Mais, je suis salé, je sais. J'avais oublié que j'avais mes grosses ailes de papillon, bordeaux. Spionne magnifique un papillon. Une enclume. Il n'y a pas d'enclus. Pas d'enclus. Oh bah c'est bon. Ah, il n'y a pas d'enclus. Regarde devant toi, pas en dessous. Et arrête de montrer tes caches sans. Tu parles de qui là? Hitler. Depuis quand il joue à Cardio? Je sais qu'il vend de l'Auschwitz, mais sais-je déjà parlé de l'Auschwitz? L'Auschwitz, c'est eau naturellement gazeuse remplie de millions de petites bulles. Auschwitz, l'eau gazeuse. Ici, j'insère un extrait de l'Auschwitz. C'est une note pour le montage que je dis. Et du coup, ça passera dans le best-of. Je le vois sur le premier coup. Hop, voilà. Pardon. Pardon. On remonte ce qui vient de se passer au montage. Avec une musique triste. Et en noir et blanc. Parce que là, j'ai glissé. Je n'appuyais sur aucune touche. J'ai purement glissé. Cette barre espace souffre, hein. Je le sens, mais je la ferai pas. Il faut l'entraîner. Ok. Note pour moi-même au montage, mettre une image de barre d'espace avec des yeux qui pleurent. Une musique triste, une larme qui coule de ses yeux, et l'extrait de qui chante avec un remix de son destroyage de barre d'espace. Je ferai un remix avec ça. J'ai jamais fait de remix de ma vie, mais j'en ferai. Barre d'espace. J'ai confiance en toi. Mais mec, t'es en train de me donner tous les éléments pour mon remix, c'est fabuleux. Ok. Allez, ceci est une autre trop en voix off parce que j'en ai parfaitement fait une. Ciao, salut.